travail consiste à mettre en relation un public. On espère être le plus diversifié possible, ça va être un public scolaire, ou alors un public de personnes qui habitent loin, ou qui sont dans des hôpitaux, ou alors la maison d'arrêt du Val d'Oise, et que ce public-là vienne rencontrer une œuvre artistique, et donc des artistes derrière. Il faut être flexible, il faut être curieux et curieuse, parce que forcément, on ne peut pas tout connaître, et heureusement, et donc on va découvrir un artiste, on va découvrir une œuvre, et peut-être qu'on va l'aimer ou non, mais au moins avoir cette curiosité-là de découvrir et de continuer à apprendre. Il faut être forcément aussi ouvert et ouverte d'esprit, parce qu'on va rencontrer des gens, encore une fois, qu'on ne connaît pas, et on ne peut pas arriver avec plein de stéréotypes dans la tête. Forcément, ça va être la relation avec les gens parce qu'on rencontre plein de gens différents dans ce métier tous les jours. On va rencontrer des petits bouts de chou d'école primaire, mais aussi des artistes très différents, de la danse, des circassiens, des régisseurs techniques. On va aussi rencontrer encore une fois des publics très très différents à chaque fois. À chaque journée, c'est une nouvelle rencontre et c'est ça qui est chouette. Il y en a des contraintes, c'est celle où on travaille quand même beaucoup. On travaille le soir, on travaille les week-ends. Donc il faut, encore une fois, avoir cette flexibilité-là et aussi avoir une moitié qui accepte de nous suivre dans ce métier-là. C'était il y a 2 ans. C'était sur un spectacle qu'on avait au Théâtre des Louvrets à Pontoise, sur une proposition en 2 parties, une proposition hip-hop avec la 2e partie qui était une compagnie japonaise. Et toute l'idée de ce temps fort-là, Génération, c'était de faire se mélanger les publics, que les gens s'amusent, que les gens rigolent. Et ça a fonctionné en salle, il y avait une ambiance de folie, je crois que j'ai jamais vu ça. On a un 2e spectacle cette année, donc j'espère que ça va faire la même chose. Mais en tout cas, c'était une belle réussite et on était très contents. C'est la curiosité, c'est de ne pas se mettre de frein. Au début, ça vous paraît très abstrait, le monde du spectacle, le spectacle vivant. En fait, il y a vraiment de tout dans le spectacle vivant et il ne faut pas se mettre de barrières. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais dit plage. Et là, depuis peut-être 2-3 ans, on est plutôt sur de la randonnée quand même. Mais avec une petite plage à côté, c'est mieux.